That boom, boom, boom. That boom, boom, boom. That boom, boom. Yo, I got that hit to beat the block. You can get that bass on below. I got that rock and roll. That future flow. That digital spit. Next level visual. I got that boom, boom, boom. How to beat bang. Bonsoir à tous, bienvenue, c'est lundi, c'est Balle au Centre et comme chaque lundi, c'est l'heure du débriefing de l'actualité d'ici et d'ailleurs, l'actualité du football bien sûr. Ce soir, gros plan sur la Ligue 1 de football, on se posera la question de savoir si le duel à distance entre Lille et Marseille pourra nous tenir en haleine jusqu'à la fin de ce championnat. Pourquoi ne parle-t-on pas assez de Moussa Sow, meilleur buteur de Ligue 1, 20 buts cette saison? On posera la question tout à l'heure à nos invités et puis on évoquera également les matchs de Ligue des Champions qui nous attendent. On parlera de la préparation de la Coupe d'Afrique des nations de football qui va se dérouler simultanément en Guinée équatoriale puis au Gabon. Gros plan sur le Gabon au niveau des infrastructures ce soir. Pour en débattre, des invités comme d'habitude et un complice. Je commence bien entendu par les invités et à ma gauche, au fond, là-bas, Célestin Elaolomo, qu'on appelle Célio, qui est journaliste indépendant. Célio, bonsoir. Bonsoir Ahmed. Merci Célio d'avoir accepté notre invitation. Juste à côté de toi, Célio, Philippe Sansfourche, qui est journaliste, un confrère aussi, et qui officie à RTL. Bonsoir Philippe. Bonsoir à tous. Comment vas-tu? Merveilleusement bien. Il est en forme. Et puis à ma droite, comme d'habitude, mon complice de tous les jours, celui avec qui je m'engueule dans les coulisses. Bonsoir Rémi. Bonsoir Ahmed. Ça va? Très très bien. Comment vont les écureuils? Tu es passé chez le coiffeur ou quoi Rémi? Mais c'est ce que je voulais te dire, que toi tu es passé chez la chèvre, ta cravate. Bon, voilà, c'est parti. Moi, je suis passé chez la chèvre. Allez, Rémi, avant de rentrer dans le vif du sujet et débriefer cette 29e journée de Ligue 1, on va faire les choses comme dans l'ordre. Jingle au fil des matchs. Messieurs, à l'issue de cette 29e journée, on a des enseignements à tirer. Lille qui tient la cadence d'un champion, Marseille qui se relance, et puis Lyon, le Paris Saint-Germain, Rennes qui sont décrochés. Philippe ? C'est une course par élimination à laquelle on est en train d'assister et on s'aperçoit que petit à petit, les équipes dont on doutait un petit peu qu'elles puissent aller jusqu'au bout, eh bien, sont en train de lâcher prise petit à petit. On avait un petit peu des doutes sur la capacité du Paris Saint-Germain à tenir la distance sur la longueur après avoir joué sur tous les tableaux, la Ligue Europe, la Coupe de France où ils sont encore. Et puis ce championnat où on avait vu de belles choses en début de championnat. Et là, on sent que eh bien, la trêve internationale n'a pas suffi à recharger les batteries. On a vu une équipe qui a été poussive face à Lorient et qui a probablement laissé échapper ses dernières chances de finir dans les deux premiers. Peut-être que la troisième place sera encore jouable. Pourquoi ? Parce que justement, il y a une autre équipe qui est poussive, c'est Rennes. On avait aussi beaucoup de doutes sur Rennes, cette capacité à surmonter les blessures avec un effectif moins brillant que ceux de Marseille, de Lyon ou même de Lille. Et on s'aperçoit que Rennes aussi a du mal dès qu'ils sont contre une équipe comme Auxerre qui ne joue pas beaucoup au ballon. Eh bien, ils ont du mal à forcer la différence. Lyon se prend un peu les pieds dans le tapis tout seul. Et à l'arrivée, eh bien, on s'aperçoit que le mano à mano est prêt pour un duel dans la dernière ligne droite entre Lille et l'OM. C'est Lyon ? Oui, moi je pense que c'est la réalité des grands championnats d'Europe qui est en train de voir le jour en France. Pourquoi ? Parce que j'estime qu'il n'y a que des grands clubs qui sont en train de prendre la tête. Et ces grands clubs se sont préparés, que ce soit en début de saison comme à l'intersaison. Ils ont ce qu'il faut, ils ont des joueurs qu'il faut, ils ont des effectifs. Et ces effectifs sont en train de faire la différence sur le championnat de France. Et par rapport à cela, moi je pense que pour ce qui est de Lille, Lille est en train de confirmer sa forme de début de championnat. Ils ne font que dans la continuité. Par contre, c'est Marseille qui m'étonne un tout petit peu parce que Marseille gagne sans vraiment jouer. Et pour moi, je dirais que c'est peut-être du point de vue tactique, c'est-à-dire Deschamps sait trouver les failles sur les autres qu'il affronte dans ce championnat. Donc pour moi, les grands sont là, et comme toujours. Rémi ? Je ne vois pas. Si il faut parler des grands, je crois que même l'OM n'est pas parmi les grands. Il est grand par effraction, par des raisons ou alors par manque d'ambition des autres. Parce qu'en réalité, l'OM ne devrait même pas être là. Quand tu vois Deschamps,
C'est un football de champ. Il n'y a aucune construction, tout est en friche. Et un but qui arrive comme ça, comme un vol, comme un braquage. Moi, je dis, c'est pas possible parce que, encore la saison dernière, parce que même quand on me dit que l'OM va tenir, j'ai des doutes. Parce que la saison dernière, si l'OM devient champion, c'est parce que Bordeaux devient biodégradable et se noie, fini. Et d'où le matelas de 12 points que Bordeaux avait à l'avance, fini, et l'OM profite pour avoir quand même 9 points d'avance sur Bordeaux. Mais aujourd'hui, quand vous voyez l'OM jouer, le meilleur joueur, c'est qui? C'est Mandanda. Vous croyez qu'un gardien de but va vous rapporter combien de points? Il faut bien que les gens puissent marquer. Du moment où vous n'avez pas un buteur dans votre équipe, du moment où le meilleur buteur qu'on nous disait, André Père Gignac, l'homme à l'agnac, André Pierre Gignac, je ne sais pas, on nous a annoncé comme le grand buteur Jean-Pierre Papin lorsqu'il est arrivé à la 5e journée. Tout le stade et même le speaker a annoncé, voici le remplaçant de JPP. Et Didier Deschamps a voulu nous faire avaler que ce sera un grand buteur. Mais on se rend quand même compte que, exactement à la même période, Papin avait 13 buts. À la même période, Gignac est remplaçant. Comment l'OM va s'en sortir? Rémi, il ne faut pas oublier quand même que Gignac a été blessé et qu'il arrive à l'intersaison et qu'il faut un temps d'adaptation. Tu parlais par exemple de Mandanda. Oui, c'est un poste essentiel dans une équipe. Il faut un gardien de but pour vous rapporter un point et devant les attaquants pour faire le métier, Philippe. Ça va fonctionner un temps, effectivement, comme le dit Rémi, sur des matchs comme à Lens où on n'a pas finalement en face de soi une équipe flamboyante. Mais on a quand même vu dans l'équilibre des forces, le match qui a opposé Marseille à Lille au Vélodrome nous a bien montré que Lille était une équipe qui collectivement est au-dessus de Marseille. Et c'est vrai que je rejoins Rémi quand il dit que c'est certainement pas André-Pierre Gignac qui va faire oublier Jean-Pierre Papin au Vélodrome dans les mois et dans les années à venir. En revanche, Didier Deschamps fait semblant de défendre le bilan d'André-Pierre Gignac parce qu'il n'en voulait pas. Il n'en voulait pas plus de lui que de Loïc Rémy. Il voulait de qui? Eh bien, il voulait des joueurs confirmés. Il voulait Luis Fabiano. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Et c'est là l'erreur de Deschamps. Parce que Deschamps nous a toujours sorti... Il n'a pas eu le choix. Non, attendez. Deschamps a voulu Morientes. Quand il est parti recruter Morientes était à combien de buts? Un but en 19 matchs. Et combien de buts il a marqué à l'OM? Rien du tout. C'est la même chose avec Luis Fabiano. Il nous a fait chanter que Luis Fabiano, c'était l'attaquant du monde. Qu'est-ce qu'on voit du côté de FC Séville? Il a été mis totalement au banc. C'est-à-dire, c'est un joueur à la fin de sa carrière. Et aujourd'hui, il est parti où? À Sao Paulo. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a même pas le niveau européen. Et c'est celui-là qui devait venir débloquer la situation à Marseille. Mais par contre, ce que Didier Deschamps ne dit pas, c'est qu'il a quand même refusé l'offre qui lui a été faite pour Suarez. Donc, vous vous rendez compte que on est venu proposer à Papin Suarez pour 10 millions d'euros. Il a refusé. Et c'est ce Suarez-là qui aujourd'hui, à Manchester United, est en train de se révéler comme l'une des plus grandes perles de l'attaque. Donc, on s'est dit quand même que Didier Deschamps... Manchester ou Liverpool? Liverpool. Tiens, tu lances le débat. On va se poser la question suivante. Est-ce que Marseille peut rattraper Lille? Oui, non. Et puis, on passe à autre chose. Célio, tu n'as pas beaucoup parlé. Moi, je pense que Marseille peut rattraper Lille parce que Marseille, il faut dire, Marseille n'a peut-être pas un style, mais Marseille joue. C'est ce que Rémi a peut-être oublié. Marseille a des individualités qui peuvent faire la différence à n'importe quel moment. Comme qui? Ben, comme le jeune Ayou, il peut faire la différence à n'importe quel match. On peut voir Valbuena qui peut faire la différence à n'importe quel moment. Je vous rappelle que Valbuena a marqué 3 buts. Oui, Rémi, je suis d'accord. C'est peut-être pas des buteurs, mais c'est des joueurs qui peuvent faire la différence sur un match, comme nous l'avons vu tout dernièrement. C'est-à-dire qu'il suffit d'un seul but et puis on gagne ces 3 points. Donc moi je dis Marseille manque de style, mais ça ne veut pas dire que Marseille ne joue pas. Marseille a un effectif. Et le banc de touche de Marseille est tellement lourd qu'on ne trouverait peut-être pas à Rennes. C'est ça la différence dans les grands championnats. Vous voyez, quand vous voyez des clubs comme le Barça, le Real Madrid, Manchester et autres, c'est le banc de touche aussi. Et c'est ce qu'a Marseille.
Et c'est des joueurs qui peuvent jouer pendant pour les 8 journées. Très bien, Célio. On va jeter un coup d'œil très rapidement sur les résultats de cette 29e journée, rapidement, pour vite pour pouvoir lancer en plus le débat. On le voit derrière vous. Lille qui gagne 3-1, Rennes 0-0, et puis le Paris Saint-Germain, on n'en parle même pas, 0-0 face à Lorient. Ça nous donne aussi l'occasion de donner la parole aux acteurs de cette 29e journée. On va écouter Aurélien Tchéjou, qui joue à Lille, et vous allez l'entendre, ils sont superstitieux à Lille, on ne parle jamais de titre. Qui ne rêverait pas d'être champion de France? Et je crois que c'est à la 35e journée, vers la 35e, 36e, qu'on vous dira que oui, on veut être champion. Est-ce que vous pensez que ça porte malheur que de dire avant la fin du championnat que oui, on est en train de concourir pour être champion? C'est quoi cette histoire de se cacher pour dire non, non, on ne joue pas le titre, on est juste devant Philippe? C'est très français, ça. Oui, ça fait partie d'un petit jeu, effectivement. Il ne faut pas abattre ses cartes avant les derniers moments. Mais bon, ça ne trompe pas grand monde quand même. On sait bien que Lille, aujourd'hui, est en train de jouer le coup jusqu'au bout. On voit bien dans leur enthousiasme, on voit bien dans certaines décisions du club. Je pense qu'il y a encore quelques années, voire peut-être même jusqu'à l'an passé, on n'aurait peut-être pas été aussi vite pour changer la pelouse, par exemple, qui était dans un état catastrophique. Et là, le président Seydou a bien compris qu'il fallait mettre un petit peu la main au porte-monnaie pour favoriser son équipe qui produit le jeu le plus agréable, le plus délié, le plus offensif de la Ligue 1, et que sur une pelouse qui n'était pas en état, ils se mettaient eux-mêmes une épine dans le pied. Donc ce sont des petits signes qui montrent bien que Lille sait que c'est l'année ou jamais pour aller chercher ce titre, asseoir sa présence en Ligue des Champions et pouvoir ensuite, dans deux saisons, pouvoir entrer dans ce nouveau stade avec un statut de grand club comme Marseille et comme Lyon. 58 points pour Lille. Est-ce que les Lillois peuvent aller au bout? Qu'est-ce qui peut leur arriver en chemin? Il peut arriver le scénario 2001. Les gens oublient qu'en 2001, Lille était entraîné par Vahid Haïdilodic. Et à la 26e journée, Lille avait pris la tête et tout le monde disait c'est parti. Mais c'était sur une différence de but par rapport à Nantes. C'est-à-dire qu'ils avaient plus 11 et Nantes plus 8. Et Lille a tenu le coup jusqu'à la dernière journée. Et à la dernière journée, Lille se faisait accrocher 2-2 contre Bordeaux, tandis que Nantes gagnait son match. Et c'est ainsi que Lille perdait le titre. Et vous vous rappelez encore, l'année dernière, toujours avec le même Lille, qu'on croyait déjà bien parti et tout et tout et tout, et qui malheureusement a été accroché par Lorient, et Lille a fini 3e. Donc à chaque fois qu'on croit que Lille est en train d'arriver, parce que j'ai bien peur des derniers matchs de Lille contre le Paris Saint-Germain, contre Rennes, ça peut toujours être une épine sous le pied et je ne peux pas encore déclarer Lille gagnant. Comme le dit d'ailleurs un proverbe africain, on ne cuit pas l'œuf de la poule tant qu'il est encore dans son cul. Réaction. Moi, je dirais que la modestie des clubs français, c'est parce que déjà, c'est des clubs qui n'ont pas de grand budget. Ce qui veut dire qu'en début de championnat, ils ne peuvent pas déclarer leurs ambitions. Ce n'est pas le cas en Italie, par exemple, où l'Inter, qui a un gros budget, ça veut dire que des résultats sont obligatoires, comme le Milan, comme le Barça, comme le Real. C'est des clubs qui ont des gros budgets où le résultat est obligatoire. Il faut des titres. C'est un peu ce qui se passe en France, parce que les clubs ne sont pas aussi riches qu'ailleurs. Ils ne peuvent pas, dès le début du championnat ou en milieu de championnat, se dire « bon voilà, nous on vise le titre ». C'est un peu ça, moi je pense. Ce n'est que cette modestie qui fait en sorte qu'ils sont obligés de se cacher. Mais pour autant, je pense que, pour moi, je pense que Lille ira jusqu'au bout. Lille tient le bon coup. Lille tiendra. Un récapitulatif du classement pour nous rendre compte que Lille a 58 points, une différence de plus 24. Marseille, 54 points, plus 18. Le Stade Rennais est encore là, hein, avec 50 points. Et évidemment, les autres qui sont dans la course, on va dire qu'à partir de l'Olympique de Marseille jusqu'au Paris Saint-Germain, ça va être la deuxième place qui est en train de se jouer pour aller chercher la place qualificative directe pour la Ligue des Champions. Et dans cette bataille-là, bien sûr, il va falloir compter avec le Stade Rennais, l'Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain également, je l'ai dit tout à l'heure. Tiens, à Lille, puisqu'on parle de Lille, qui est toujours en tête et qui est le leader de ce championnat de Ligue 1, pourquoi ne parle-t-on pas assez d'un garçon qui est à 20 buts aujourd'hui, qui a fait mieux que Mamadou Niang,
même s'il est de la même nationalité que lui, et qui est le meilleur buteur de Ligue 1. 20 buts, Moussa Sow. Pourquoi ne parle-t-on pas assez de lui? Tiens, Philippe. Pourquoi ne parle-t-on pas assez de Moussa Sow? Je crois qu'en fait, il a la malchance, Moussa Sow, d'avoir à ses côtés, c'est-à-dire à côté, à gauche et à droite alternativement, deux joueurs exceptionnels cette saison. Parce que c'est vrai que Gervinho et Eden Hazard sont deux joueurs absolument fantastiques. Ce sont les deux plus beaux créateurs dans deux styles différents qu'on ait cette saison dans notre championnat. Lui, il bénéficie justement du fruit de ce travail et des percées qu'ils sont capables de faire chacun à leur tour. Et à l'arrivée, c'est vrai que les gestes de Moussa Sow, ses buts, ne sont pas les images qu'on retient de Lille, parce qu'on retient les dribbles chaloupés de Gervinho, on retient les passes lumineuses d'Eden Hazard. Et à l'arrivée, ce ne sont pas les images qu'on retient. Mais si on regarde de plus près, on s'aperçoit que les buts qu'il met ne sont pas toujours évidents à mettre. Ce sont des buts, même encore ce week-end. Évidemment qu'on retient surtout les gestes de Gervinho, qui a été fantastique. Mais le but de Moussa Sow, si vous regardez bien, il n'est pas extrêmement bien placé. C'est un vrai geste de buteur. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a probablement la possibilité qu'on voit Moussa Sow plus loin. Parce que beaucoup aujourd'hui disent quoi? Ils disent oui, Moussa Sow, il est à 20 buts parce que Lille a 15 occasions par match et que forcément, il en met au moins une. Mais on ne le reverra plus, l'année prochaine, il va disparaître. Je crois qu'il faut quand même lui laisser sa chance à ce garçon. C'est vrai que son éclosion est très rapide, qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi vite, aussi haut. Mais là, on s'aperçoit dans la ligne, dernière ligne droite qu'avec la pression qui est en train de s'installer, et bien malgré tout, il est toujours là, et donc on peut quand même lui faire confiance. Non, moi je ne suis pas d'accord avec ton analyse que c'est un peu tôt. Moussa Sow a été titularisé pour la première fois à Rennes en 2004. Il avait 18 ans. Et si aujourd'hui vous me dites que, au moment où nous sommes en 2011, on dit que son éclosion c'est tout de suite, j'ai dit non. En 2008-2009, qui est le meilleur buteur de Rennes? C'est Moussa Sow. Avec 13 buts, toutes compétitions confondues, donc 9 en championnat. Et jusque-là, aucune lumière sur lui. Parce que même aujourd'hui, quand vous essayez de me dire qu'il y a du talent, du diamant et tous les recaillements qu'on peut me citer, non, j'ai dit, il y a tellement eu du folklore, du tam-tam sur des gars comme Eden Hazard. Eden Hazard à quel âge? Quand vous me demandez d'attendre que Moussa Sow, qui est plus âgé que lui, lui, il est encore tout petit. Et non, il ne faut pas en parler. Eden Hazard, c'est quoi? C'est un primo prétendant. C'est un enfant. C'est un enfant-son, dirais-je même. Et même sur les prestations... Ça existe, ça, un enfant-son? En langue française, vous savez très bien. En langue française, ça existe. Parfois, comme vous utilisez juste le français de cuisine. Bon, moi, j'ai dit donc que Moussa Sow, lorsqu'on essaie de regarder les prestations d'Eden Hazard, Eden Hazard, c'est combien? C'est 25 tirs, en tout et pour tout, pour 6 buts. Moussa Sow, c'est le plus grand artificier des défenses. Et qui est juste? Parce que sur les 81 tirs, il a quand même marqué 20. Quand vous voyez par exemple les Kaba et consorts qui le suivent, c'est 78 tirs. Mais il marque combien? Un seul but. C'est-à-dire le gars est juste. Deuxième chose, sur le replacement défensif. Qui comme attaquant peut faire le travail de Moussa Sow? Personne. À Lille, tu veux dire? À Lille, personne. Troisième des choses, quel est l'attaquant de Lille qui peut jouer à tous les postes, c'est-à-dire à gauche, à droite et en pointe? Gervinho. Je vous dis, c'est d'abord Moussa Sow. Et il a joué comme ça. Vous le savez d'ailleurs qu'il a été champion d'Europe des moins de 19 ans en 2005 avec l'équipe de France. Vous savez qu'il a joué dans les espoirs de France. Donc, honnêtement, Rémi, pour toi, il est sous-côté, il est sous-côté, sous-estimé ou mal aimé même. Parce que d'ailleurs, je vous dis que, vous vous rendez compte, ce gars, on a même voulu briser sa carrière à Rennes. Puisque vous vous rendez compte que pendant qu'il est à Rennes, il a l'un des derniers salaires de la classe. Et quand il dit qu'il doit partir ou qu'on rehausse son salaire, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, bon, ok, à partir de janvier, il ne joue plus. Entre janvier et la fin de l'année, il a joué en tout et pour tout 77 minutes. Pour un attaquant de cette envergure-là, qui vient d'être meilleur buteur. Et pour qu'il parte aujourd'hui, à Lille, il touche combien? On a tout négocié pour qu'il touche 120 000 euros. Et si on dit aux gens combien les attaquants français touchent, oui, ou même des simples joueurs de milieu de tableau, oui, ou encore les gens bidonnants et les bricoleurs du Paris Saint-Germain qui sont à 320 000 euros par mois, on dit vraiment Moussa Sow est sous-estimé. Moi, je pense quand on voit le parcours de Moussa Sow, oui, et qu'on se rend compte, est-ce que Rennes ne doit pas regretter de l'avoir laissé partir?
Ben non, c'est tout part de la politique de Rennes. Vous, lorsque vous voyez la politique de Rennes aujourd'hui, c'est d'abord de former et puis de revendre. C'est la politique de Rennes. Vous avez vu, nous avons vu avec Jimmy Briand, qui était au sommet, qu'ils ont revendu, c'est pareil. Donc c'est la politique du club. Moi, par contre, je rejoindrais Rémi quand il dit que Moussa Sow est sous-coté. Ça, c'est vrai, parce qu'on ne peut pas concevoir que quelqu'un qui est meilleur buteur d'un club, qu'il soit prêté déjà, il a été prêté à Sedan. Ouais. On ne sait pas trop pour quelle raison, pour quelqu'un qui met autant de buts. Il a passé une saison à Sedan avant de revenir à Rennes. C'est, ouais. c'est par la suite qu'il le rejoint. Il était en prêt. Hein, oui, oui, oui. Et il est revenu, il a connu tous les entraîneurs, ouais, donc, y compris Guy Lacombe. Pour moi, je pense qu'il est sous-coté et qu'il mérite mieux que ça, je pense. Philippe, une dernière réaction et puis on va évoluer. Mais je crois que, bon, effectivement, il a peut-être été pas assez pris en considération ces dernières années, mais là, il entre aussi parfaitement dans le schéma mis en place par Rudy Garcia. Il y a un équilibre qui se fait et sa présence athlétique devant et sa capacité à bouger les défenses fait aussi énormément de bien et permet à des gabarits plus limités, justement, de pouvoir profiter de ses brèches. Donc, je crois qu'il ne faut pas considérer le joueur comme ça de manière isolée. Il faut aussi le voir dans ce schéma lillois qui est particulièrement pensé justement pour qu'il soit un point d'appui hyper important devant Moussa Sow. Philippe, ça veut dire concrètement que si on le met dans un autre contexte, par exemple à Marseille ou dans un autre club, il n'est pas sûr qu'il puisse faire la même prestation. Quel est le joueur? Quel est l'avant-centre aujourd'hui, à part les 3 ou 4 plus grands au monde, mais en France, quel avant-centre aujourd'hui peut dire je vais à Marseille et je vais exploser du jour au lendemain? On voit bien l'exemple Gignac, il est flagrant. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est très compliqué d'arriver au sommet dans ces clubs-là parce qu'il y a une autre pression, il y a autre chose. Et il y a des joueurs justement qui sont bien l'exemple dans ce collectif lillois, que je pense à Rio Mavuba, des joueurs comme ça, qui ont connu des progressions très rapides et puis qui ont eu des accidents dans leur carrière et qui aujourd'hui se relancent à Lille. Et je crois que c'est le collectif lillois qui fait que tous ces joueurs sont en train d'exploser. Et en cela, ça ressemble beaucoup à ce qu'a connu Bordeaux il y a 2-3 saisons. C'est un équilibre et on verra justement ceux qui seront capables de rester au top sur la longueur. ballaucentre@telesud.com, notre boîte mail. Si vous avez des questions à poser à nos invités ou peut-être même des réactions aux propos tenus ici et là, n'hésitez pas, ballaucentre@telesud.com. C'est la transition pour arriver à quelque chose. C'est écrit comment ? At, tu fais un A comme ça et puis tu dessines un cercle au-dessus. C'est ça qu'on appelle arrobas. Arrobas, voilà, c'est plus facile. Comme ça, les auditeurs, les téléspectateurs comprennent mieux. Alors, c'est ballaucentre@telesud.com. Très bien, Rémi. La transition est trouvée pour évoquer ce qui nous attend cette semaine. Les quarts de finale de la Ligue des Champions, des matchs de fou qui nous attendent mardi. Et mercredi, on va aborder le premier match intéressant. C'est le Real Madrid qui va jouer face à Tottenham. Deux équipes qui sont un peu à la peine et qui ont perdu. Je crois que le Real a perdu contre Giron ce week-end. Messieurs, c'est à vous. Débriefing, préparation de cette rencontre. Philippe ? Alors, à moi l'honneur. Oh bah, c'est déjà, avant toute chose, hein, avant de parler de cette rencontre en particulier, les quarts de finale, le stade des quarts de finale de Ligue des Champions nous offre régulièrement les matchs les plus intenses de la saison. Sur le plan de la qualité offensive, de l'intensité et de la capacité sur 90 minutes à livrer un match de très haut niveau, c'est souvent à ce stade de la compétition, c'est là que les joueurs arrivent au sommet dans leur préparation physique, c'est là où les automatismes sont faits depuis le début de saison. Donc normalement, on doit se régaler. Maintenant, pour parler de ce match entre le Real et Tottenham, malheureusement, on a deux équipes qui sont dans une phase un petit peu délicate parce que très handicapées par les blessures. On voit du côté du Real qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes. Bon, Karim Benzema ne jouera pas. Cristiano Ronaldo, il y a un flou autour de sa participation. Higuain est seulement de retour. Xabi Alonso était encore indisponible ce week-end. Et côté Tottenham, c'est plutôt du côté défensif, mais on s'aperçoit qu'il y a également beaucoup d'absences, même s'il y a le retour de Gareth Bale. Mais voilà, en fait, pour l'instant, sur ce match, il y a quand même beaucoup d'incertitudes qui fait qu'on a du mal à déterminer exactement l'équilibre des forces. Et puis alors, quel sera aussi
l'incidence mentale, psychologique de cette défaite à domicile face à Riron pour le Real, quoi. Justement, c'est la question. Comment le Real pourra-t-il réagir après la défaite à domicile face à une équipe comme Riron? C'est ça la difficulté, parce que la défaite de Real a quand même montré une certaine utilité, sinon pratiquement l'absence d'un moteur dans cette équipe qu'on appelle Cristiano Ronaldo. Avant cette défaite, le Real a failli perdre devant le dernier de la Liga, c'est-à-dire c'était Almeria. C'était à la 19e journée. Ils ont fait 1-1. Et les gens oublient qu'effectivement, à ce moment-là, Cristiano Ronaldo était absent. À la 19e journée, le gars était déjà à 31 buts, toutes compétitions confondues, donc 22 en championnat. Sur les 47 qu'avait marqué le Real. Et quand il n'est pas là, subitement, ça tombe. Et là, on comprend l'inquiétude qu'avait Mourinho quand il parlait des attaquants qu'il fallait venir renforcer le secteur offensif. Parce que là, ils ont eu des attaquants quand même. Adebayor est arrivé. On évoquera le cas Adebayor tout à l'heure d'ailleurs. Oui, mais sauf que, comme je le dis aujourd'hui, tu as vu que pendant ce match-là, il avait voulu mettre Ozil avant même de mettre Benzema. Donc, le Real d'aujourd'hui, ce n'est pas comme les Galactiques. Il faut se dire que contrairement au Real des riches qu'on disait, le Real d'aujourd'hui manque de souffle. Et surtout que, à partir de cette période, je ne vois pas beaucoup de solutions pour Mourinho. Mais cependant, je peux vous dire une chose, la défaite contre Riron va plus faire qu'il remonte sur ses ressorts. Donc, il a été piqué dans son orgueil. Et je sais que Mourinho, chaque fois qu'il a perdu, il a toujours réussi à se relever. C'est quelqu'un qui connaît les grands défis. C'est l'homme se découvre quand il se mesure à l'obstacle, vous le connaissez. Célio, le Real, très rapidement, et tu dis un mot en même temps, tu gardes la parole pour dire un mot sur le deuxième match, l'Inter qui va jouer contre Schalke 04, très rapidement. Moi, je pense que le Real de Madrid doit se remettre, parce que déjà, c'est l'équipe de mon cœur. Je veux qu'il se remette. Pourquoi? Parce que j'estime que le Real, ça fait quand même près de 6 ans qu'ils n'ont plus rien gagné, qu'ils n'ont même plus atteint les quarts de finale d'une Champions League. Ils ont ce qu'il faut pour aller en demi-finale. Mais le problème, c'est que le match sera très, très difficile parce que l'équipe de Tottenham est une équipe qui joue beaucoup au ballon. Et la bataille va se dérouler en milieu de terrain parce que Tottenham, c'est surtout son milieu de terrain qui est assez fort. Et c'est à ce niveau où, généralement, le Real a des faiblesses. Parce que quand Mesut Ozil n'est pas en forme, le milieu de terrain, les ballons ne sont pas relayés au niveau des attaquants pour pouvoir marquer des buts. Donc pour moi, ce sera un match très difficile, mais un match très engagé. Philippe, Pour ce qui est de l'Inter, moi, l'Inter, bon, c'est un match quand même assez compliqué également. On a vu l'arrivée de Leonardo qui a beaucoup fait du bien à l'Inter, mais l'Inter qui vient également de perdre 3-0 face à son voisin. Donc pour moi, je pense qu'il faut remettre les choses dans l'ordre et surtout motiver les gars pour pouvoir aller loin. Ils sont quand même champions d'Europe en titre. Donc rester en quart de finale, ce ne serait peut-être pas bien. Il serait mieux qu'ils aillent un peu plus loin. Ah, il serait mieux, c'est facile à dire. Est-ce que l'Inter pourra se remettre de la fessée face à l'autre club de Milan dans le derby milanais ce week-end? Évident que ça a été quand même une sacrée désillusion et que 3-0 quand même. Hein. Voilà, bon, avec un scénario de match aussi particulier, avec ce but au bout de 45 secondes de Pato. Bon, ils ont eu du mal. Peut-être qu'ils avaient aussi déjà un petit peu la tête à cette rencontre, que ça faisait deux très gros événements à gérer en l'espace de quelques jours et que c'est toujours difficile. Maintenant, il y a quand même une expérience de la compétition qui a été acquise la saison passée et qu'on a vu vraiment s'exprimer merveilleusement face au Bayern dans un match qui était quasiment perdu contre les Allemands chez eux. Ça paraissait fou et ils ont réussi à revenir. N'oublions jamais qu'il y a des individualités dans cette équipe de l'Inter absolument exceptionnelles. Que ce soit Samuel Eto'o, que ce soit Snyder, ce sont des joueurs qui à tout moment sont capables de faire la différence. Ce sont des potentiels ballons d'or à chaque instant. Et je pense que le seul Raoul et l'expression collective de Schalke, à mon avis, aura du mal face à l'Inter. Rémi ? Moi, je crois que l'Inter pourra se relever. Il y a deux équipes où il y a Raoul d'un côté, Samuel Eto'o, ça va être un duel intéressant à suivre. Oui, aussi, parce qu'aujourd'hui, mais l'Inter a un problème. L'Inter a un vrai problème défensif.
Parce que lorsque vous prenez quand même l'Inter qui prend d'abord 3 buts contre Tottenham à domicile, 4-3, et puis il va encore encaisser 3 à Tottenham, ça fait quand même au bout de 2 matchs, ça fait 6. Et lorsque vous voyez le même Inter devant le Bayern qui prend aussi 3 buts, on dit il y a un vrai problème parce que depuis la blessure de Walter Samuel, on a pris un garçon, comment on l'appelle, Rachonia, pour venir remplacer Walter. Il a 21 ans. Il lui manque cruellement d'expérience. Et qui le couvrait? Et qui le couvre souvent? C'est Lucio. Or, Lucio est suspendu pour ce match-là. Il ne sera pas là. Donc, et du coup, Inter aura encore les mêmes difficultés défensives devant un rusé comme Raoul. Parce que Raoul, c'est un rusé, c'est un renard de surface. Donc, je crois que Inter doit tout faire pour que sur le plan offensif, il puisse vraiment merveilleusement fonctionner, Keto soit à 100%. Et surtout que Stankovic et surtout Maicon puissent vraiment monter pour faire pression sur Schalke. Parce que Schalke, c'est une équipe qui est aussi très offensive. Donc, il ne faut pas laisser Schalke attaquer sur les côtés. Autrement dit, ça risque d'être très difficile pour Inter. Mercredi, 2 matchs, il y a un duel anglo-anglais entre, d'abord, on va parler du match entre le Barça et le Shakhtar Donetsk. Là, il n'y a pas match, pratiquement, on va dire que le Barça va être en roue libre, non? Oui, ils sont effectivement sur le papier, en tout cas, le favori, mais je crois que depuis le début de cette compétition, on sous-estime complètement cette équipe du Shakhtar Donetsk, notamment, alors, Il y a ce match à l'extérieur. Là, il y a le match qui est à Barcelone qui peut être compliqué. Mais quand il faut faire le déplacement à Donetsk, Barcelone a vraiment intérêt à se mettre à l'abri dès le match aller. Parce que on sous-estime régulièrement cette équipe de Donetsk qui est montée en puissance depuis l'espace de 2-3 ans, qui a gagné la Ligue Europe. Et là, c'est une sacrée leçon donnée à nos clubs français parce qu'on s'aperçoit que la Ligue Europe que l'on sous-estime tous les ans et qu'on bazarde, ça a été le cas même de Lille et puis le Paris Saint-Germain finalement qui a été obligé de s'y résoudre un petit peu sur la fin face au Benfica, eh ben, le Shakhtar Donetsk qui a été jusqu'au bout en Ligue Europe, aujourd'hui on s'aperçoit qu'il est en quart de finale de Ligue des Champions et qu'il a une expérience européenne qui peut lui permettre d'éventuellement aller titiller les grands. Maintenant c'est vrai que contre le Barça, ça paraît totalement déséquilibré. Mais voilà, le Barça devra faire la différence au moins 2 buts à domicile. Célio, on dit qu'il faut que le Barça se mette à l'abri avant le match retour. Pour toi, c'est combien? 10 buts, 15 buts, 5 buts avant de... Non, peut-être pas 10 buts, mais ce qu'il disait est évident. On sous-estime cette équipe. Et n'oublions pas l'année dernière en Champions League qu'une équipe, le Rubin Kazan, une équipe de l'Est, est venue battre le Barça. Donc il faut dire que ce n'est pas des équipes qui sont faciles à jouer. C'est vrai que c'est des équipes sur le papier, bon, le Barça part favori, largement favori. Pour moi, ce qui serait mieux pour le Barça, c'est un 3-0. C'est un 3-0 pour au moins éviter toutes les complications. Parce que c'est des équipes qui se donnent à fond, puisqu'ils n'ont rien à perdre en fait. C'est des équipes qui vont jouer leur football, et ils sont en quart de finale d'une Champions League, ils vont se donner à fond. Et à ce moment-là, tout est possible. Tout est possible. Lors du match de championnat, il n'y avait pas Puyol, Abidal bon, ne jouait pas, Xavi et Pedro, tout ce beau monde. Et en plus, Messi a joué, allez, on va dire quoi, 30 minutes à peu près 35 minutes à peu près. C'est un Barça qui va être au grand complet. Hein. Ce que je vais te poser comme question, tu crois que Donetsk est arrivé là en passant par le tuyau d'échappement ou par la cheminée? Ah, je sais rien, moi. Voilà, ils sont arrivés là parce qu'ils se sont qualifiés en battant qui? En humiliant qui à domicile? C'était d'abord la Roma. La Roma. 3. Ils ont marqué à la Roma 3 à domicile. Donc il faut faire très attention de dire sur papier. Oui, et peut-être vous ne connaissez pas. Non, moi je vous dis, quand je vois David Villa jouer par rapport à la perle brésilienne, qui d'ailleurs avait eu à humilier Costa, qui d'ailleurs avait eu à humilier la Roma, j'ai dit, faites très attention. Avec ces petites équipes que vous prétendez, auxquelles vous donnez des attributs, des épithètes de petites équipes, et vous donnez au Barça toujours la couronne d'éléphant qui va broyer tout. Non mais attendez, tu sais, tu es un Africain. Et qu'est-ce qu'un Africain, qu'est-ce que le proverbe africain dit? Il dit quoi? Le gorille est costaud, mais c'est le moustique qui le tue. Même la fourmi peut tuer. Allez, transition trouvée pour parler du match qui va nous intéresser, c'est le duel entre deux clubs anglais. Chelsea, Manchester United. On a vu que
Rooney s'est réveillé au bon moment en marquant 3 buts ce week-end, alors que Chelsea était à la peine, n'eût été le but de la tête de Didier Drogba ce week-end face à Stoke City, je crois. Chelsea aurait pu perdre même cette rencontre. Ben, monsieur, c'est un duel anglo, comment on peut dire. En tout cas, ça va être une vraie bataille, non Philippe ? Ça va être une vraie bataille et ça va être aussi une rencontre particulière entre deux équipes qui, depuis le début de saison, tour à tour, ont montré des difficultés dans le jeu et s'en sont toujours remis à leur formidable expérience et à leur talent de compétiteur. On s'aperçoit qu'il y a ce problème Torres à Chelsea qui est très difficile à résoudre et qui handicape toute l'équipe. Il y a beaucoup de joueurs qui, dans la foulée, ont du mal. On pense évidemment à Florent Malouda. Et côté Manchester United, on a vu face à Marseille que c'était une formation qui n'était pas la plus flamboyante des dernières années, mais il reste toujours ces joueurs capables de faire une différence à tout moment, et notamment Wayne Rooney qui revient quand même dans une forme exceptionnelle. Il ne faut pas oublier quand même que Wayne Rooney, il y a encore un an, certains le pensaient perdu pour le football. On pensait qu'il avait le pied en 1000 morceaux et qu'il ne reviendrait jamais. Il jouait sous infiltration depuis plus de 6 mois. Il y a eu en plus ces histoires extra-sportives qui ont fait qu'il a failli quitter Manchester. Et là, il se retrouve au meilleur moment. Quand on voit ses buts, notamment le contrôle sur l'un de ses buts, là où il s'emmène le ballon. Le deuxième. Il est en ce moment au sommet de sa forme et il est capable de faire des gestes absolument impensables. Je pense quand même avantage Manchester. Célio ? Oui. Moi, je donnerais également l'avantage à Manchester. Mais moi, je dirais par contre que ce match, le duel va surtout se poser au niveau des coachs, du coaching. Parce que c'est là où on verra toute la science entre Ancelotti et Sir Alex Ferguson. C'est-à-dire, c'est celui qui aura mis le schéma tactique le mieux élaboré qui pourra vraiment prétendre gagner et passer en demi-finale. Je dirais qu'au niveau des effectifs, les effectifs sont là et les joueurs capables de faire la différence sont également là. Mais sauf que, bon, maintenant, c'est au niveau tactique, technique, surtout tactique, au niveau du coaching, c'est le coaching gagnant qui va aller loin. Surtout que le match se joue à Chelsea d'abord et donc Manchester s'est négocié des déplacements, hein, et donc avantage Manchester, non Rémi ? C'est de D'abord, la provocation. J'ai été surpris de mon confrère et ami qui est en train de sortir ses violons, violoncelles et toute l'artillerie pour dire que Rooney de retour, Rooney de retour. Dès qu'il fait un retournement acrobatique, ah, Rooney de retour. Quand même. Dès qu'il, mais attendez, si tu veux parler des gens qui marquent des buts, Berbatov nous a montré qu'il pouvait faire un quintuplé. Il a marqué 5 buts. Mais Berbatov est à 20 buts. Il a 20 buts. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un fait un triplé qu'on va dire automatiquement qu'il est de retour. Moi, je peux te dire que j'ai vu des buts incroyables que Rooney est en train de louper de toutes les façons depuis la Coupe du Monde. C'est toujours un joueur intermittent. C'est un intermittent des spectacles. La courbe est comme ça, ascendante, montante, descendante. Et après, il est sur une pente savonneuse. Oublie de me dire que oui, il est de retour, on croyait qu'il était... Il est peut-être dans une bonne dynamique en ce moment, quand même. La dynamique de Manchester, aujourd'hui, c'est Nani. En dehors de Nani, il y a un garçon devant qu'on appelle Chicharito. Voilà des gars qui font Manchester aujourd'hui, c'est pas Rooney. D'ailleurs que Rooney a été relégué, pas seulement comme 9,5, mais aujourd'hui, de plus en plus, il recule et devient même distributeur. Donc ce n'est pas là le gros danger. Le danger, ce sera bel et bien Chicharito ou encore si on met Berbatov. Mais cependant, n'oubliez pas que ce Manchester n'est pas celui de 2008. Il encaisse beaucoup de buts. Et quand vous avez Didier Drogba, qui est en train de revenir avec sa puissance astronomique, lorsque vous avez de l'autre côté, quand même, un effectif qui n'est pas des moindres, et certainement Michael Essien qui va ratisser au milieu du terrain, j'ai dit, c'est un match qui sera difficile pour Manchester United. Attention à Manchester United, on suivra ce match avec beaucoup d'attention et on viendra débriefer comme d'habitude. Lundi prochain, on en reparlera et on verra où en sont les uns et les autres. Bonne transition, je vais rappeler rapidement l'adresse mail de cette émission, c'est balleaucentre@, comme demande Rémi, télésud.com. Transition trouvée, jingle Afrique, parce qu'on va aborder maintenant les sujets qui nous intéressent sur le continent africain. Boom, 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 gotta get that. Boom, 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 gotta get that. Boom, boom, boom.
Je vous amène en voyage, messieurs. On va parler du Gabon, de la préparation du Gabon pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mais avant cela, je voudrais mettre ce soir en lumière un garçon, Daniel Cousin, capitaine de cette équipe des Panthères du Gabon. Un garçon qu'on appelle Cousin, la Panthère du Gabon. Interview, on l'a rencontré, voici ce que ça donne. On est en difficulté un peu. Il nous reste 3 matchs et on a 3 matchs pour sauver l'équipe. C'est encore jouable mathématiquement, donc on va se battre jusqu'au bout. J'ai toujours voulu finir en France, donc c'est là où tout a commencé, donc pourquoi pas. Je suis en fin de contrat, donc à la fin de l'année, je suis libre. Elles vont très bien, avec une victoire contre Bordeaux, le dernier match, et contre la RDC aussi. Donc, un groupe en reconstruction avec pas mal de nouveaux jeunes qui arrivent. Et bon, le groupe se porte très bien, avec de l'envie et surtout de ne pas oublier que la CAN se déroule chez nous et qu'on a envie aussi de la gagner. Tu as vraiment envie d'y être. Hein. Ça va être l'une des dernières grandes compétitions de ta carrière de professionnel, non ? Ben oui. Bon, après, il y aura celle de 2012, c'est ça ? Oui. J'espère y être aussi. Mais ça sera une de mes dernières. Ouais. Donc, je me dois de donner le maximum et de montrer l'exemple aussi. Le joueur d'expérience que tu es, quel regard il jette sur cette équipe en construction ? Comment on imagine une préparation pour arriver au top niveau le jour J? Ben, c'est la concentration surtout, et pour les jeunes, écouter les anciens, le coach, et surtout surtout y croire, surtout se dire qu'on a une chance de la jouer chez nous, et c'est un avantage, je pense. Et la préparation est surtout mentale. Parce qu'il y a la qualité, c'est surtout dans la tête, se mettre dans la tête qu'on peut y arriver et s'en donner les moyens, tout simplement. Le Gabon sera-t-il prêt pour la compétition ? Il a intérêt d'être prêt, parce que les fans nous attendent, tout le monde nous attend, c'est chez nous, donc on n'a pas à se poser ce genre de questions, se dire on est prêt, on n'est pas prêt, on doit être prêt, tout simplement. Et on a encore 10 mois pour travailler, donc on va tout faire pour être au top. Vous rêvez d'une finale et de prendre ce trophée? C'est tout le rêve de joueur africain. Moi, j'en rêve aussi. Donc, surtout à mon âge, à 34 ans, ça serait magnifique chez nous. Je pense que ça serait... C'est inimaginable. Il n'y a même pas de mots. Je pense que c'est... Si on arrive à gagner ce titre. Mais d'abord, avant de parler, il faut agir. Donc, il faut d'abord bien se préparer, faire de bons matchs amicaux, et après on verra ce qui va se passer au Gabon. Entretien réalisé grâce à Erwan Bonandrini lors du dernier regroupement des Panthères ici en France. Ils ont joué face à Bordeaux et ils devaient jouer aussi face au Cameroun, mais finalement le match a été reporté. Merci à Daniel pour cette interview. Tiens, ça nous permet d'aborder maintenant la préparation. Côté coulisses, je ne parle pas du terrain puisqu'on avait déjà parlé du terrain la semaine dernière. Côté coulisses, et c'est là que tu interviens vraiment, Célio. Célio, toi, tu connais très bien cette équipe gabonaise, tu la suis au quotidien, tu es gabonais aussi, c'est ça qu'il faut préciser. Où en est le Gabon au niveau des infrastructures aujourd'hui? Est-ce que le Gabon sera prêt? J'ai posé la question à Daniel, il a dit que le Gabon avait intérêt à être prêt. Qu'est-ce que toi, tu peux nous dire?
Non, moi, je dirais simplement que ce n'est plus une question qu'on peut poser aujourd'hui. Le Gabon sera bel et bien prêt. Pourquoi ? Parce que les exigences de la CAF ont été respectées jusqu'à nos jours. C'est vrai qu'il y a eu un peu de retard à la fin de l'année 2010. Il y a eu un peu de retard sur un certain nombre d'infrastructures, c'est-à-dire les stades. Mais bon, tout est allé très vite. Il y a eu des décisions qui ont été prises au plus haut niveau par le chef de l'État qui a engagé le pays. C'est-à-dire c'est un engagement personnel du chef de l'État et tout de suite, les choses se sont accélérées. Et je pense que tout dernièrement, lors de la dernière visite des membres de la CAF, ils ont jugé que l'état d'avancement des travaux des stades, parce que l'inquiétude était au niveau des stades. Il faut le dire, les stades, le Gabon aura trois stades, deux stades à Libreville et un stade à Franceville pour abriter la compétition. Et le stade à Libreville, il y a un stade qui est le stade de l'amitié, qui est construit par la coopération chinoise, et le stade d'honneur président Bongo, qui n'a été qu'une réfection. Donc l'aire de jeu a été complètement conservée, ça n'a pas été touché. On n'a fait qu'augmenter la capacité d'accueil au niveau des tribunes. Donc moi je pense que ce n'est plus une question qu'on peut se poser aujourd'hui si le Gabon sera prêt. L'inquiétude se situe quand même au niveau des infrastructures routières, de l'hôtellerie, de la télécommunication, parce qu'il faut bien faire notre job, nous les journalistes, et certains Gabonais disent que non, le Gabon ne sera pas prêt et que même on va donner toute l'organisation à la Guinée équatoriale. Vous avez sans doute vu des dépêches sur ça. Je rappelle au passage aussi que le gouvernement gabonais a décidé de consacrer un week-end, un samedi, le dernier samedi de chaque mois, à l'équipe nationale pour que les gens puissent entrer dans la ferveur de la compétition en attendant janvier. Moi, je dirais, au niveau des infrastructures de communication, moi, je dirais non. Vous savez, comme moi, qu'aujourd'hui, le Gabon est quand même à la pointe des technologies, ne serait-ce qu'au niveau de l'Afrique centrale. Il y a un réseau de télécommunications qui est assez fiable. Donc, je pense qu'à ce niveau, il n'y aura pas de problème. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. C'est peut-être ce qui a été ressorti, c'est au niveau de l'accueil hôtelière, où il y a peut-être un petit hic, mais le gouvernement est en train de s'atteler parce qu'ils sont en train d'augmenter la capacité du village olympique qu'ils sont en train de construire. Parce que le premier village avait une capacité, mais qu'ils ont décidé d'augmenter. Donc je pense qu'à ce niveau, si le gouvernement gabonais nous rassure, ils sont quand même assez sages. Ils ne peuvent pas, à 10 mois de la compétition, dire qu'ils vont organiser alors qu'ils savent qu'ils ne pourront pas. Et là, ça engage aussi la responsabilité des entreprises qui ont eu des marchés pour réaliser ces édifices. Ils ne peuvent pas faire des déclarations et dire que tout sera livré au plus tard en novembre alors que ça ne sera pas prêt. Célio, merci. Rémi, un commentaire rapidement, on va passer à Orge. Non, pour dire quand même que le Gabon, bien évidemment, on dit l'honneur de la guerre, c'est l'argent. Et quand tu essaies de regarder le Gabon aujourd'hui, c'est une grande plaque forte de l'Afrique en ce qui concerne les moyens financiers. Quand vous voyez quand même que le gouvernement au niveau de la bourse essaie de mettre 100 milliards de francs CFA, quand vous voyez les accords qu'ils ont passés avec le consortium chinois pour la société, l'une des sociétés minières, vous voyez quand même que ça fait 2000 milliards de francs CFA, donc 3 milliards d'euros. Cela veut dire que le gouvernement gabonais aujourd'hui, l'argent tombe comme des gouttes de pluie. Donc à partir de cet instant, on se dit qu'ils vont bien arroser tout ça. Et puis, le Gabon a intérêt, dans la mesure où le Gabon, a toujours été considéré comme la tortue de l'Afrique. Sauf que, comme bien évidemment les sages d'Afrique le savent, la tortue a une petite tête mais une grande cervelle. Donc moi j'ai dit, le Gabon peut s'en sortir. Cependant, le seul bémol, c'est bien évidemment comme on a donné la Coupe du Monde au Qatar, pourquoi pas la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon. Sauf que je voudrais toujours insister sur la présence des spectateurs au stade. Il faut une véritable sensibilisation parce que le Gabon, quand même, c'est 267 670 km² avec en tout et pour tout 1 300 000 habitants, donc 5 habitants au km². Comment est-ce qu'on va faire avec des stades? J'ose espérer que les autorités gabonaises vont sérieusement sensibiliser la population pour que les stades ne nous offrent pas un désert. On verra tout cela lorsqu'on arrivera en janvier 2012
lors du coup d'envoi de ces... Régulièrement, on reparlera de la préparation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Messieurs, on s'achemine vers la fin de cette émission. On a une dernière rubrique, c'est notre coup de cœur, coup de gueule. Mais avant, jingle, hors jeu. Vous avez chacun 45 secondes pour pousser votre coup de gueule ou bien me dire votre coup de cœur. On commence par Célio. Mon coup de cœur, c'est de dire déjà, je vous remercie pour m'avoir invité à cette émission et je pense que pour la lumière que vous faites aujourd'hui sur le Gabon, sur l'organisation de la grande compétition qu'elle va abriter en janvier 2012, qui est la Coupe d'Afrique des Nations. Et je pense que pour ce qui concerne le Gabon en lui-même, je le réaffirme ici, que le Gabon sera prêt. Le Gabon sera prêt à accueillir toutes les nations africaines qui vont participer à cette compétition. C'est ce que j'avais à dire. Et nous invitons tout le monde à venir au Gabon. Le Gabon est une belle destination. C'est le tourisme, c'est 12 parcs, c'est 13 parcs nationaux à visiter. Donc, pourquoi ne pas Ton y aller ? Ton temps de parole est terminé. Merci Philippe. Merci beaucoup Philippe, journaliste indépendant, gabonais aussi, qui nous a parlé et nous a rassuré sur la préparation de la CAN. Pourquoi j'ai dit Philippe, moi ? C'est Léo. Philippe, c'est à toi. Oui, la transition. Eh bien, moi, je vais terminer par... On va boucler la boucle, finalement. Revenir sur ce que l'on a couvert en début d'émission, sur la Ligue 1 et cette image forte. Ce ne sera pas un coup de gueule, ce sera plutôt un coup de cœur, parce que le coup de gueule, c'est lui qui l'a passé. C'est Hugo Lloris, dans les vestiaires à Nice, qui a fait, j'ai envie de dire, sa crise d'adolescence. Une espèce de dépucelage en bonne et due forme pour Hugo Lloris, qui a évacué toute sa frustration d'une fin de match catastrophique avec les Lyonnais. Et je crois qu'il manquait un petit peu de chair humaine, ce garçon. Et là, il nous a offert un petit moment de vie, un petit moment de vestiaire qui m'a bien plu. C'est vrai, on rappelle le contexte. Les Lyonnais menaient 2-0. 90e minute, ils se prennent un but. 93e, ils se prennent un deuxième. Qui n'est, le débat, on pourra le prolonger. Oui, il est de la main, ça c'est vrai. Il est de la main, le but de Sivelli. Mais le problème, peu importe, c'est quand même que c'était catastrophique. Rémi, moi mon coup 30 secondes. Coup, moi mon hors-jeu, c'est Bernard Lacombe, le bras droit de Michel Aulas. Au début de l'année, ce monsieur était venu tout chaud pour nous dire que je vous présente une défense en béton armé. Il s'agit de ce monsieur qu'on appelle Chris et surtout un véritable mur en béton lui aussi. Il s'appelle Diakaté et tout le monde avait applaudi. Il avait dit, je n'aimerais pas être un attaquant de la Ligue 1 pour les rencontrer. Résultat, comme vous avez dit, on a vu ce que Diakaté peut provoquer. Deux bons pénaltys en quelques secondes et tout ce qu'il peut être. Et pendant ce temps, ils ont laissé partir John Mensah à Sunderland qui lui prolonge. Comme dit donc le proverbe africain, mieux vaut garder son âne que d'aller prendre un cheval fougueux qui vous renverse. Je ne rajouterai plus un mot, juste vous rappeler seulement l'adresse email de cette émission, ballaucentre@telesud.com. Était autour de cette table Philippe Sanfourche, journaliste à RTL, Célestin Elomo, journaliste indépendant gabonais qui est venu parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Merci Rémi. Merci Ahmed. Merci à vous tous d'avoir été là. Rendez-vous est prêt pour lundi prochain pour une nouvelle émission. Ce sera toujours Balle au Centre, tant qu'il y aura du football sur la terre. Bonsoir. That bass on below. I got that rock and roll, that future flow, that digital spit, next level visual. I got that boom, boom.